Oui, bonjour à tous. J'aimerais aujourd'hui vous demander de liker, de partager et également de commenter toutes les vidéos. Oui, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'Ukraine, mais pas seulement de l'Ukraine. Je vais vous parler des erreurs monumentales, à mon avis, de l'Occident. Occident dont je fais partie. Alors, je vais essayer de faire une revue de presse sur les bévues de cette Europe. La vieille Europe, comme disaient les néoconservateurs américains au moment de la guerre d'Irak, cette vieille Europe donc, qui n'a pas su résister aux États-Unis. Nous nous sommes laissés berner par ces gens d'outre-Atlantique qui ont voulu changer nos mœurs. Nous avons été entraînés dans des mouvements woke américains qui sont un vrai danger pour notre société. En plus, nous les avons suivis dans leurs aventures guerrières dans le monde entier. Et tout ça, pourquoi ? Pour défendre l'Amérique, uniquement l'Amérique, pour les intérêts des États-Unis. Et maintenant, voilà, le monde va peut-être se scinder en deux. Et nous pouvons en être sûrs, ce sera la confrontation. La confrontation, pourquoi ? Parce que les États-Unis ne voudront pas être la troisième ou la quatrième puissance mondiale. Et donc, ils iront jusqu'à la confrontation. Et maintenant, place à la revue de presse. Et à la fin, comme tous les samedis, je reviendrai vers vous pour des conseils de lecture, pour des conseils de visionnage. Et puis, il y a des expos aussi qui sont bien. C'est à bord d'un blindé de l'armée russe que le chef de l'AIEA est arrivé à la centrale de Zaporijjia. Dans le convoi, trois inspecteurs sont venus relever leurs collègues en poste sur le site. 6 mois après sa première visite, Raphaël Grossi veut de nouveau évaluer lui-même la situation au sein de la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Mardi, il affirmait chercher un compromis entre Kiev et Moscou. Nous procédons à quelques ajustements sur les propositions que nous mettons sur la table. Je suis convaincu qu'il serait peut-être possible d'établir une forme de protection, mais pas en insistant sur l'idée d'une zone. Depuis son premier déplacement au mois de septembre, les négociations infructueuses portaient sur la mise en place d'une zone démilitarisée autour de la centrale. Il s'agirait désormais de sécuriser la centrale elle-même, en interdisant par exemple d'y entreposer des armes. Car les combats aux alentours se poursuivent et s'intensifient dans la région. La dernière ligne électrique de secours, celle qui permet en dernier recours de refroidir les réacteurs, a été endommagée au début du mois. Le directeur de l'AIEA craint une catastrophe. Si le niveau du réservoir descend au-delà d'un certain niveau, alors vous n'avez pas d'eau pour refroidir les réacteurs. Et nous avons vu, surtout en janvier, que les niveaux d'eau baissaient de manière significative. Avant de se rendre sur le site contrôlé par Moscou, Raphaël Grossi avait rencontré le président ukrainien lundi. Ce dernier a réitéré sa position. Sans retrait immédiat des troupes et du personnel russe, toute négociation est vouée à l'échec. Chez nous, on a nos neuneux. Hein, on a LCI avec Pujadas et Monsieur Quatremer. On le cite aujourd'hui parce que j'ai encore entendu quelque chose à propos de la situation où il dit le contraire de la réalité. C'est-à-dire que il y a un syndrome que je pense être qui relève de l'aliénation mentale, qui consiste à penser que le réel va être celui qu'on décrit. La Russie vient de rendre publique sa nouvelle doctrine en matière de politique internationale. Moscou classe ainsi les États-Unis comme sa plus grande menace dans un document signé par Vladimir Poutine et qui rappelle aux analystes, de par les mots utilisés, les années de guerre froide. Главным инициатором и проводником антироссийской линии прямо названы Соединенные Штаты Америки. И в целом политика Запада, направленная на всемирное ослабление России, охарактеризована как гибридная война нового типа. Признается экзистенциальный характер угроз безопасности и развитию нашей страны, создаваемых действиями недружественных государств. À l'inverse, la Chine et l'Inde sont désormais officiellement désignés comme les principaux partenaires de la Russie dans le cadre de sa stratégie politique à l'égard de l'Orient. Ce rapprochement s'inscrit dans le cadre de la guerre en Ukraine qui fait de Pékin notamment un allié de poids contre les pays occidentaux. Or, on voit que de l'autre côté, les Américains, depuis Brzezinski, hein, donc depuis les années 90, où le réel
le numéro un des néoconservateurs américains, le concepteur des néoconservateurs américains, Brzezinski, a dit « L'Ukraine, c'est le coin que nous rentrons dans la Russie ». Il faut la détacher de... Il faut la détacher absolument de la Russie, c'est clair. Mais il est revenu justement sur cette formule, je crois, juste avant sa mort. Et ensuite, vous avez eu la femme, on parle beaucoup de Madame Nuland, qui était l'ambassadrice à l'OTAN, et on voit bien qu'il y a eu un rôle considérable dans l'affaire. Elle l'a reconnue elle-même au Congrès américain il y a l'année dernière, quand elle a été interviewée par les congressistes américains. Hein, elle a reconnu que l'Amérique avait financé, alors elle a dit 5 milliards de dollars, pour changer le régime en 2014 et que ce soit un régime pro-occidental. C'est un groupe de mercenaires criminels. Mr. Prigozhin, who runs this thing, is in my view a war criminal. Fondé en Russie en 2013, le groupe Wagner est une société militaire privée qui entretient des relations floues avec le Kremlin. But it actually is a de facto extension of the Russian security organs and apparatuses, in particular the main intelligence directorate. There. So the training center is very close to the GRU base over there. So that is very interesting because it shows the linkages perhaps between the intelligence services of Russia and the Wagner group. Les soldats de Wagner sont déployés dans différents pays où les intérêts de la Russie sont en jeu. Starting off in Donbass, then in Syria, then in Libya, and then throughout many different sub-Saharan African conflict areas like Mozambique, Mali, and the Central African Republic. Les États-Unis estiment que Wagner compte quelques 50 000 soldats qui se battent en Ukraine. Derrière le groupe se trouve Yevgeny Prigojine, un homme d'affaires de Saint-Pétersbourg. Mais Prigojine a des rivaux parmi les hauts responsables militaires russes, comme Valery Gerasimov, chef de l'état-major général des forces armées russes et architecte de la guerre en Ukraine. Prigozhin likes to claim that he's very effectively running an army within an army. It's got jets, it's got missile defenses, it's got ammunition and various types of artillery. Même si Poutine ne soutient pas officiellement le groupe Wagner, la Douma a récemment approuvé un projet de loi qui punirait d'une peine pouvant aller jusqu'à 15 ans de prison toute personne qui discréditerait les groupes de volontaires combattants en Ukraine. Ah, donc le gros morceau aujourd'hui, c'est le secteur de Bakhmout. Donc, comme on l'entend sur tous les canaux, il reste une petite voie d'accès ici. En tout cas, la garnison tient toujours. Les combats se déroulent, on va dire, pâté de maison par pâté de maison. Hein. Wagner continue d'attaquer. Une fois encore, Prigojine nous a joué son jeu habituel. « Oh mon Dieu, je sais pas si on va tenir, je sais pas si ceci, je sais pas si cela. » Et puis finalement, il continue de gagner du terrain par le grignotage. Et alors, je vais zoomer un petit peu. Voilà, on peut considérer que tout ce qui est dans la zone grise là aujourd'hui est depuis hier sous contrôle de Wagner. C'est-à-dire qu'il reste vraiment que ces quartiers résidentiels et un tout petit peu du centre-ville sous le contrôle de l'armée ukrainienne. Donc, c'est pas beaucoup. Je ne sais pas jusqu'à quand les Ukrainiens vont pouvoir s'y tenir et lutter avec autant d'acharnement. Mais en tout cas, Wagner n'a pas cessé d'attaquer. Et Wagner, alors certes, a cessé d'attaquer sur le pourtour de l'encerclement, mais n'a pas arrêté ses assauts dans la ville elle-même. Voilà. Alors d'abord, il y a cette histoire de l'annonce britannique de la livraison d'obus à uranium appauvri, donc qui a été considéré comme une provocation par la Russie. Vladimir Poutine a dit d'abord « nous aussi, on en a ». Qu'est-ce qu'on peut penser de cette décision britannique qui est quand même assez grave compte tenu des conséquences que peuvent avoir l'usage de ces obus d'uranium à uranium appauvri, comme on voit ce qui s'est passé en Yougoslavie par exemple. On a l'impression qu'il provoque bêtement Poutine en disant « Ah, t'as vu, nous on sort de l'uranium appauvri, maintenant qu'est-ce que tu fais ?» Hein, c'est un peu, on parlait des États-Unis qu'on aime bien, on a l'impression qu'on est dans un film avec Joe Pesci, et Robert De Niro, ou l'autre, il dit « Alors, attends, qu'est-ce que tu fais ?» Bon, voilà. Ça sert à rien. Maintenant, moi, ce que je vois par rapport ensuite à l'emploi potentiel de ces obus
avec donc 14 plateformes de tir, et qui là peut peut-être permettre de comprendre la réaction russe. C'est ce que ça signifie comme message sur le type de guerre qu'on fait. C'est-à-dire que quand on emploie de telles armes, soi-disant pour défendre un territoire ou pour reconquérir son territoire, eh ben on ment. On peut pas faire ça. Parce que les zones qui vont être où vont être déployés ces chars vont être contaminées. Et donc, si l'objectif de l'Ukraine, c'est de se contaminer pour reprendre son territoire, il y a quelque chose qui m'échappe. On est au 21e siècle, hein. On n'est plus en 1914. Nous, on sait qu'on a contaminé des hectares de France avec nos obus chimiques pour la reconquérir. Mais on était en 1914. Alors moi, j'ai du mal à comprendre le message que les Ukrainiens envoient aux populations dont ils voudraient s'assurer à nouveau le contrôle en leur disant, bah, vous savez, on va utiliser des armes qui risquent de contaminer les zones dans lesquelles vous habitez et qu'on vient libérer. J'ai du mal. C'est-à-dire que quand les Américains utilisaient ça contre la Yougoslavie, bah, c'était leur ennemi, ils n'allaient pas mettre un pied en Yougoslavie. Ils l'ont utilisé en Irak. Bon, on sait que les Américains, malheureusement, ont un problème de respect de leurs propres combattants, parce que d'abord, le problème, c'est les combattants, hein, qui sont exposés aux radiations. Hein, on a vu ce que les Américains ont fait de leurs soldats pendant la guerre du Vietnam avec l'agent orange, hein, dont on continue aujourd'hui de voir les terribles causes génétiques sur ces vétérans et leurs enfants et leurs petits-enfants. Et je pense que le vrai problème aujourd'hui, c'est effectivement, ça va être de faire une négociation et sur quelle base, si vous voulez. Parce qu'il y a plusieurs problèmes. Les Russes veulent... Si on regarde l'accord qui avait été négocié, mais qui n'a pas ensuite été suivi des faits, hein, qui a eu lieu 2 mois après le début de la guerre, qui a été fait par les négociateurs ukrainiens Zelensky et les négociateurs russes près d'Ankara. Hein, sur un petit port à côté d'Istanbul. C'est très intéressant parce qu'ils s'étaient mis d'accord. Bon, puis après, ils sont revenus. Zelensky, avec la pression probablement américaine, a dit « je ne signe pas ». Mais qu'est-ce qu'ils avaient dit ? Ils avaient dit « la Crimée, ça c'est russe ». Les provinces russophones du sud, les provinces du Donetsk, Lugansk, enfin voilà, la zone, cette zone-là, elle reste ukrainienne. Elle reste ukrainienne. Mais attention, russophone, hein, donc pas question, donc avec un statut autonomie. Hein, c'est dans l'Ukraine, c'est une zone autonomiste, mais dans l'Ukraine. Et la contrepartie, c'était pas l'OTAN. Ils viennent de protester contre l'installation d'armes nucléaires tactiques en Biélorussie. Donc on a une déclaration, sauf que le même ministre, hein, au mois de septembre, avait dit, comme Poutine est méchant, il faut installer des armes nucléaires chez nous. Hein. Donc nous, c'est bien, chez les Biélorusses, c'est pas bien. Et comme aujourd'hui le monde est totalement informé, moi c'est une chose qui m'a frappé quand je me balade sur les réseaux, sur les sites internet à l'étranger, dans des grands pays, je pense à l'Inde, à l'Amérique latine et à l'Afrique, hein, ils savent tout ça, ils savent, et le double discours, le double standard leur est totalement insupportable. Alors, l'alliance, moi je considère que c'est une alliance Russie-Chine, mais surtout avec la Russie, l'a emporté dans la course aux armements, c'est-à-dire qu'il y a désormais un delta important entre le niveau américain, je parle même pas du niveau des Européens, et la Russie, et aujourd'hui son allié la Chine. Par exemple, cette nouvelle de l'abandon d'un projet de missile hypersonique, ce qui fait que les Russes ont cette technologie, ils s'y sont mis il y a déjà un moment, ils la maîtrisent, alors que les Américains sont à 10 ans de, éventuellement, si ils relancent des projets, s'ils les financent, sont à 10 ans d'obtenir cette technologie. Ah oui, on est arrivé aujourd'hui à un point complet de bascule. Et alors, c'est pareil, il faut que les gens soient conscients. Ce n'est pas le nombre de chars modernes ou pas modernes que déploie l'armée russe qui nous dit sa puissance, hein, et qui nous dit son hégémon même dans ce domaine-là. C'est-à-dire que voilà, on a des armes hypersoniques qui mettent à distance définitivement les Occidentaux et les Américains en premier.
Et ce n'est pas parce qu'on a des T-62 ou même des T-55 qui reviendraient sur le champ de bataille local de l'Ukraine que ça, ah, ça y est, les Russes ne sont pas bons, etc. Non, non. C'est pas... Donc voilà, ce n'est pas grave, c'est problématique, mais ce n'est pas grave et ce n'est pas un game changer que les soldats russes soient plutôt à bord, on va dire, en moyenne de T-72M qu'à bord d'un Challenger 2. C'est ça que les gens doivent comprendre. Donc les Américains, sur le plan des technologies, ils ont des super armes, eux aussi. Hein, le M777, c'est un très bon obusier. Hein, le HIMARS, c'est un truc aussi qui est exceptionnel. Mais maintenant, ça a été fait par rapport à une problématique qui était celle de la guerre contre le terrorisme. Pas la guerre de haute intensité qui dure des jours et des jours, pendant une année, 2 ans, etc. Hein, on le voit même par rapport à ce que nous a expliqué, enfin confirmé le général Pinatel, l'usure des tubes des canons. C'est un moment historique. Le roi Charles III est devenu ce jeudi le premier monarque à s'exprimer dans l'enceinte du Bundestag. Devant les députés allemands, le souverain britannique, exaltant des valeurs démocratiques, a salué le fait que l'Allemagne, pays profondément pacifique depuis les horreurs du nazisme, joue un rôle clé dans l'aide apportée à l'Ukraine. Als größter europäischer Geber für die Ukraine haben wir entschlossen reagiert und Entscheidungen getroffen, die früher vielleicht unvorstellbar gewesen wären. Der Entschluss Deutschlands, der Ukraine so große militärische Unterstützung zukommen zu lassen, ist überaus mutig, wichtig und willkommen. Donald Trump se dit déterminé à se battre après son inculpation au pénal vendredi, une première pour un ancien président américain. Se disant choqué par sa mise en accusation liée à l'affaire Stormy Daniels, Donald Trump affirme être victime d'une chasse aux sorcières. Il a reçu le soutien de son ancien bras droit, Mike Pence. And I think it's clear to the overwhelming majority of the American people that this is nothing short of a political prosecution being affected by a Manhattan DA who literally campaigned on bringing charges against one particular American. De son côté, l'actuel président américain Joe Biden a refusé de commenter la mise en accusation de Donald Trump qu'il pourrait retrouver face à lui lors de la prochaine élection présidentielle fin 2024. L'ex-président républicain qui vit en Floride devra se présenter mardi devant un tribunal de Manhattan qui lui notifiera les charges pesant contre lui. Au cœur de cette affaire, une importante somme d'argent destinée à acheter le silence d'une ancienne star du X. Ce qui arrive à Donald Trump, qu'on soit favorable ou pas, c'est pas là la question. Simplement, en termes de droit, mais c'est de la folie, quoi. C'est de la folie. Et quand on voit les problématiques, c'est-à-dire, n'oublions pas les histoires pendant son mandat pour essayer de lui mettre une procédure d'impeachment aux fesses, hein, et derrière, il n'y avait aucun fondement, le début du commencement d'une preuve, alors que je rappelle, pour qui connaît un peu l'histoire des États-Unis, que le monsieur, là, qui sait pas où il est, qui sait pas à qui il parle, que c'est ci, que cela, il y a déjà un de ses prédécesseurs, alors vous m'excuserez, j'ai pas son nom en tête, qui a été soumis à une procédure d'impeachment pour démence. Hein, ça a déjà eu lieu dans l'histoire des États-Unis. Joe Biden devrait être soumis à cette procédure, non pas parce qu'on aime ou pas Joe Biden, mais parce qu'il n'est plus en état d'assurer son rôle de président des États-Unis et donc de puissance nucléaire majeure comme le sont les États-Unis. Ce n'est plus possible, autant pour la sécurité des Américains que pour la nôtre. Tallahassee, en Floride. Voilà. Hope Kaskila, directrice d'un établissement scolaire de cette ville, a reçu l'ordre de démissionner sous peine d'être limogée suite à des plaintes de parents. Alors écoutez bien pourquoi. Pourquoi cette directrice d'école de Floride est obligée de démissionner, est obligée de démissionner. Eh bien, vous savez pourquoi? Parce qu'elle a fait un cours sur le David de Michel-Ange. Oui, c'est-à-dire qu'elle faisait, il y avait un cours dans son école sur l'art de la Renaissance. Voilà. Donc le fameux
extraordinaire David de Michel-Ange, ce sculpté, je le rappelle, dans un seul bloc de marbre de Carrare, qui s'apprête à affronter le géant Goliath avec sa fronde. Magnifique, hein, c'est aussi connu que la naissance de Vénus de Sandro Botticelli, bien sûr. David, qui ne connaît pas cela? Eh bien, des parents d'élèves, quitte à avoir un demi-neurone qui s'est perdu dans les sables de la plage de Floride, sont été offusqués. Oui, parents d'élèves de 14 et 12 ans. Voilà, ils se sont dit, ah non, comment un David nu vous montrer une statue nue avec les organes? Ça n'empêche pas que pas très loin, quelques drag queens déguisées en transgenre donnent des cours au Danemark et ailleurs à des petits-enfants de 12 ans. Déshabillés, bien sûr, pas eux, les dragues. Eh bien voilà, les parents ont dit non, 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 c'est scandaleux. Comment la naissance de Vénus est nue. Comment David de Michel-Ange, mais il est nu. La nudité, on est en 2023 et il y a un collectif de crétins des Alpes, pas des Alpes en l'occurrence, plutôt côté mer, côté Atlantique, et voilà ce qu'ils ont dit, ces gens-là, vous voyez. Eh bien, ce n'est pas bien, et alors le président du conseil des parents d'élèves est allé jusqu'à déclarer à la télévision américaine, eh bien qu'il aurait été préférable que les parents soient prévenus en amont, qu'il ne s'agissait pas de censurer une image, mais les droits parentaux prévalaient en Floride sur l'éducation des enfants. Mais quand les parents deviennent aussi cons que l'on voit, eh bien, on se dit David de Michel-Ange, eh bien, et Botticelli, mais où on est? Eh ben, on est effectivement chez les rachitiques du bulbe, y compris en Floride. Le forum de Boao pour l'Asie s'est achevé. Au cours de ces 4 jours, des hommes politiques, des hommes d'affaires et des universitaires ont eu des discussions sur l'économie, la géopolitique et la sécurité, entre autres, sur l'île de Hainan, une station balnéaire dans le sud de la Chine. Dans son discours d'ouverture, le Premier ministre chinois Li Qiang a réitéré l'engagement de la Chine à ouvrir plus largement son marché. C'est la première fois en 3 ans que les participants au forum se rencontrent en personne, après que la Chine a supprimé en janvier dernier la plupart des restrictions sanitaires imposées contre la Covid. La visite de Xi à Moscou en a été une illustration. C'est un événement extrêmement important qui s'est produit, on en a déjà parlé. Ce qui est intéressant, c'est la façon dont ça a été répercuté, dont on en a parlé en Occident, c'était grotesque, quoi. Ah oui, c'est un junior partner, la Russie vis-à-vis de la Chine. Enfin, quand on voit ce qui se passe depuis, d'ailleurs, j'ai appris que Total avait vendu du GNL à la Chine et avait accepté d'être payé en yuan. Hein, bon, naturellement, l'Arabie Saoudite adhère à l'OCS et puis va rentrer au BRICS aussi, pour ne prendre que cet exemple. À ce sujet, ces deux organisations sont des organisations majeures au plan économique. Il s'y passe énormément de choses. C'est pas, ce sont des structures de coopération internationale qui sont extrêmement importantes. Donc, une délibération de l'ONU votée par 100 marins n'a aucun intérêt par rapport à ce qui se passe là-bas. Forger un nouveau modèle pour la coopération des BRICS et un partenariat plus fort. C'est ce dont le séminaire de 2 jours des BRICS sur la gouvernance et les échanges culturels compte discuter. Les hôtes de l'événement disent que le forum arrive à un moment où le développement mondial rencontre de multiples défis. Le monde fait face à une période de turbulence. Un ordre mondial équilibré et stable est important. Les pays BRICS s'étendent sur 4 continents et jouent un rôle de plus en plus important pour la paix et le développement dans le monde. Nous espérons favoriser des partenariats de qualité et approfondir les échanges et la compréhension mutuelle. Plus de 200 représentants des BRICS ont assisté au forum, en personne et en ligne. Les sujets abordés incluent la reprise économique mondiale, la promotion de la transformation technologique et l'économie numérique. Les participants affirment que le mécanisme BRICS peut donner un élan à la coopération dans ces domaines. Les BRICS sont un nouveau type d'organisation internationale qui a réuni 5 pays, pas comme l'UE. Les BRICS sont une organisation plus flexible, mais je pense qu'ils devraient aussi développer la stratégie commune. C'est maintenant le temps pour que les BRICS soient plus forts, plus unis et plus efficaces pour résoudre les problèmes.
Lors de la cérémonie d'ouverture du forum, deux enquêtes mondiales ont été diffusées, décrivant le nouveau rôle et le nouveau modèle des BRICS dans la gouvernance mondiale et la coopération de la nouvelle ère. Un documentaire sur les BRICS coproduit et une chanson thème pour la coopération des BRICS ont également été présentés. Avec une chanson thématique intitulée « Ensemble nous sommes », le forum a appelé à resserrer les liens entre les pays BRICS en établissant des partenariats basés sur le développement commun ainsi que des amitiés parmi diverses cultures. Et nous avons un président de la République chez nous qui n'est pas étranger à ce syndrome. Alors, il en a d'autres, hein, mais je vais citer la phrase qu'il a donnée sur les motivations de son voyage à Pékin. Il est tout content, il va être reçu probablement par Xi. Il a dit « Je vais à Pékin pour engager la Chine à nos côtés pour faire pression sur la Russie. » Pardon. Pardon. Donc non mais c'est terrible quoi. Nous sommes du mauvais côté de l'histoire pour l'instant, c'est probablement acquis quoi. C'est aujourd'hui c'est irréversible sans un changement radical que je ne vois pas arriver. L'entreprise de produits alimentaires de Joseph Okereke a subi un revers majeur au cours des trois derniers mois. La clientèle s'est raréfiée en raison de la pénurie de liquidités. Le réapprovisionnement était également difficile car la plupart des commerçants n'acceptaient que les transactions en espèces. Aujourd'hui, il se réjouit du fait que la Banque centrale renforce l'approvisionnement en liquidités. La plupart des vendeurs préfèrent l'argent liquide, la plupart d'entre eux n'ont pas de compte, alors pour nous, c'était très difficile d'obtenir les marchandises. Récemment, il y a eu un changement, quelques clients qui viennent, ils viennent avec de l'argent liquide. La Banque centrale du Nigeria vient de débloquer plus d'argent liquide pour mettre fin à une pénurie qui a duré 3 mois. Une crise qui a provoqué de longues files d'attente dans les banques et devant les distributeurs automatiques de billets. De nombreuses personnes ont même dû payer jusqu'à 40% pour acheter de l'argent liquide. Nous avons survécu en essayant d'autres moyens, en cherchant un endroit pour obtenir de l'argent. C'est normal, ce que nous venons de vivre est anormal. Maintenant, nous devrions avoir accès à notre argent. Vous devriez avoir accès à l'argent pour lequel vous avez travaillé et que vous avez épargné à la banque. La politique bâclée de redéfinition du Naira de la Banque centrale du Nigeria a été imposée pour éponger l'excès de liquidités en circulation, lutter contre l'inflation et promouvoir sa politique de suppression de l'argent liquide. Les experts estiment que la crise risque d'affecter la croissance économique au cours du premier trimestre de l'année, mais qu'elle a permis d'intégrer davantage de personnes dans le système financier. Les analystes estiment qu'au cours de la période où la pénurie de liquidités a occupé le devant de la scène, l'économie nigériane a perdu plus de 23 000 milliards de naira, car il s'agit d'une économie fortement dépendante de l'argent liquide. Cela a également affecté la santé mentale des gens. Nous avons connu des situations où des personnes ont attaqué des banques et des distributeurs automatiques de billets dans tout le pays, ce qui a également eu des répercussions sur la sécurité. D'une manière générale, cela a eu des conséquences négatives pour beaucoup de nos concitoyens. Cependant, il y a eu aussi des aspects positifs. Le fait que beaucoup de gens qui étaient en dehors du système bancaire ont fait des efforts pour ouvrir des comptes bancaires. L'Union des travailleurs nigérians avait prévu une manifestation nationale à partir du 30 mars pour forcer la Banque centrale à augmenter l'offre de liquidités. Cette dernière mesure prise par la Banque centrale devrait permettre de remédier à l'interruption de l'approvisionnement en espèces dans tout le pays. Encore diminué en mars dans la zone euro, mais les consommateurs risquent de ne pas en sentir les effets. Selon Eurostat, le taux annuel est de 6,9%, soit une baisse significative après les 8,5% observés en février. C'est la calmée des coûts de l'énergie qui explique cette tendance. L'augmentation est évaluée à 0,9% quand le secteur connaissait un taux à deux chiffres l'année dernière. En revanche, l'inflation poursuit sa progression sur les produits alimentaires pour atteindre 15,4% en mars. Les prix avaient déjà progressé de 15% le mois précédent. Pour les consommateurs, la facture demeure donc élevée. Dans un tweet, le commissaire européen en charge de l'économie, Paolo Gentiloni, salue cette annonce. L'inflation a fortement baissé dans la zone euro, bonne nouvelle. Mais l'inflation de base reste élevée, tirée par l'alimentation et les services.
L'inflation de base, qui exclut les prix volatiles de l'énergie et de l'alimentation, a augmenté de 5,7%. Cette statistique apparaît comme un rappel de l'enracinement du phénomène de la hausse des prix. Dans la zone euro, la Lettonie, l'Estonie et la Lituanie connaissent une inflation à deux chiffres. Elle diminue en revanche en France pour atteindre 6,6%. La tendance est identique pour l'Allemagne et l'Italie, mais avec un taux plus élevé. Et donc, est-ce que la France sort affaiblie de ce conflit un an après ? Oh, je pense que pour la France, elle sort extrêmement affaiblie. Moins que l'Allemagne. Diplomatiquement, économiquement ? Ah oui, dans tous les domaines. Ben, vous savez, regardez. On se plaint de l'inflation. Mais elle vient d'où, l'inflation ? Quand vous voyez que l'euro a perdu plus de 10 points par rapport au dollar, c'est entre, ça oscille entre 14, 12, mais plus de 10 points hein, par rapport au dollar. Alors que le rouble s'est apprécié par rapport au dollar. Pas de beaucoup, mais 2 ou 3%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ceux qui ont été touchés économiquement, c'est nous. La sanction, la vraie sanction du marché, si vous voulez, nouveau économique, elle est là. C'est nous qui sommes les grands perdants. Et quand les gens se protestent en disant « mais les produits alimentaires sont 15% plus chers », mais c'est normal, on achète la plupart de nos produits alimentaires à l'extérieur de l'Europe, eh ben, on les paye en dollars, et le dollar vaut plus cher que l'euro. Eh ben, voilà. Évidemment, d'un point de vue économique, la consommation des ménages, voyez, on a cette corrélation entre l'indice de confiance des ménages, la courbe rouge, et la consommation des ménages, la courbe bleue, elle a déjà baissé cette consommation, ça va évidemment malheureusement continuer, on va avoir une poursuite de la baisse de la consommation. Si la consommation baisse, ben là aussi il y a un risque de retour de la récession, et donc plus de déficit, plus de dette. Alors justement, en gros, ce qui s'est passé, c'est que la dette publique de l'État, entre guillemets, a continué d'augmenter, vous voyez, plus 16,8 milliards, donc là c'est la dette globale, hein, moins 8,6 milliards, mais l'État a continué d'augmenter, 16,8 milliards d'augmentation de la dette sur un trimestre, sur un an, 139,4 milliards d'augmentation de cette dette, vous voyez que c'est assez énorme. Naturel. Les événements naturels, on peut raisonnablement espérer sortir à moyen terme, en tout cas, de la spirale inflationniste, de la guerre en Ukraine, pas du changement climatique. Hein. C'est quelque chose qui va s'installer, s'intensifier. C'est un chantier d'adaptation majeur pour le secteur des assurances. C'est un chantier majeur pour toutes nos sociétés. Nous avons effectivement fait une étude, il y a un an de cela, pour essayer de projeter l'impact des événements naturels sur les 30 prochaines années. Ce que nous dit cette étude, qui a été faite par des météorologues, des économistes, c'est qu'en cumulé sur les 30 prochaines années, le coût de tous ces événements naturels pourrait doubler par rapport à ce qu'on a connu sur les 30 dernières années. Et si on prend l'année 2022, c'est véritablement une année historique sur le front des événements naturels, avec une facture climatique qui atteint plus de 10 milliards et demi d'euros. Plus de 3 fois la moyenne sur les 10 dernières années. Donc ça, c'est un record. Et ça, c'est un record. Et on l'a tous vu. Le ciel nous est littéralement tombé sur la tête en 2022. Comment vous vous organisez concrètement ? Les risques, effectivement, se déplacent, s'intensifient du côté des phénomènes météo extrêmes. Sécheresse et canicule, vous l'avez dit, orage de grêle, incendie. Il faut développer quoi ? Une nouvelle expertise ? Il faut développer de nouvelles réponses quand on est assureur ? Il faut surtout développer la prévention. Parce que sur les événements naturels, comme sur tous les risques, le meilleur sinistre, c'est celui qu'on a évité, et qu'on a évité grâce à la prévention. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire déjà, Elsa Ruyère ? Qu'est-ce que ça inspire aux gens, d'ailleurs, que vous avez interviewés, mais vous, évidemment, d'abord. Qu'est-ce que ça vous inspire, le fait que hier, voilà, on annonce, ça y est, plus d'obligations vaccinales pour les soignants ? Ah ben moi, dans un premier temps... Ça m'inspire un peu de méfiance. Oh, vous exagérez quand même, tout de suite. Tout de suite, ça arrive. Au lieu de dire quand même, c'est pas mal, quand même, c'est bien. Oui, mais ça reste du bon sens, un peu tardif, mais du bon sens. Ouais. Après, tant qu'on n'a pas abrogé l'obligation vaccinale, ça reste un problème. Parce que réintégrer est une chose, certes. Mais ça suffira pas. J'appelle tous ces républicains à rejoindre Debout la France ou à rejoindre d'autres mouvements pour former la grande coalition patriote républicaine qui est la seule solution pour demain. Oui, alors justement, si la motion de censure avait été votée, peut-être qu'il y aurait eu donc une dissolution. C'était pas obligatoire, hein, il faut bien le rappeler. En cas de dissolution, quelle est la majorité alternative qui pourrait se profiler ? Parce que
pour le moment, effectivement, Emmanuel Macron a une majorité relative, mais personne n'a véritablement une formation capable de prendre la majorité. Élise Blais, je suis convaincu qu'une NUPES patriote, si je puis dire, c'est-à-dire que si on avait une alliance Rassemblement National, Debout la France, des Républicains qui enfin coupent le cordon avec cette mélasse incompréhensible, quelques souverainistes, pourquoi pas de gauche comme Michel Onfray, je pense que nous serions vainqueurs. Parce que les Français ont très bien compris qu'il n'y avait rien à attendre de ce mauvais tango entre Macron et Mélenchon. Parce que c'est ça qui détruit le pays aujourd'hui. C'est qu'Emmanuel Macron a besoin de Mélenchon. Il a besoin de Mélenchon, il a besoin de l'extrême gauche. Vous avez vu le jeu. L'extrême gauche dit que Macron a besoin de Madame Le Pen. Oui, mais parce que l'extrême gauche fait une fixation sur le Rassemblement National et n'a toujours pas compris que son électorat populaire vote Debout la France ou RN. C'est parce que, à force de tirer sur la corde de l'injustice sociale, à force de nourrir des concessions d'autoroutes qui nous raquettent, sans aucune justification, il y a eu enfin un rapport. Ça, c'est pas Macron qui est pour quelque chose, c'était fait avant. Oui, mais le rapport a été dissimulé par Monsieur le maire pendant 2 ans. Et il vient d'avouer que, on pourrait supprimer les péages, là, comme je l'avais promis. Et je l'avais dit pendant la présidentielle. On m'avait dit que je racontais, que je les réservais, pas du tout. Il y a un rapport de l'inspection des finances qui a été caché. Donc, il y a une oligarchie qui rackette le peuple, qui pille le peuple. Et il y a un moment, ça peut mal finir. Et ce que je souhaite, moi, c'est qu'on ait une sortie de crise raisonnable. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand il y a des abus, il y a souvent des révolutions violentes. Alors aujourd'hui, oui, le 1er avril, c'est la sortie du monde diplomatique qui est vraiment très intéressé, encore une fois. Ce sont des journalistes et pas des guignols. Donc, le monde diplo, c'est vraiment très très intéressant. Bravo. Bravo à ce journal, absolument extraordinaire. Franchement, ça change vraiment. Alors, dans ce monde diplomatique, Pékin, faiseur de paix. Ils abordent donc la paix entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, qui serait vraiment une chose absolument extraordinaire et qui révolutionnerait tout le Moyen-Orient. Et je vous recommande donc, Manière de voir, qui fait un numéro spécial sur la guerre en Ukraine. Alors là, c'est vraiment du journalisme autre. C'est vraiment du journalisme intéressant. Alors, dans le monde diplo également, un article sur les Maasai. Les Maasai en Tanzanie qui sont chassés de leur territoire par les touristes. Mais vraiment. Alors ensuite, un album. Un album photo, et pas souris photo, sur une sortie d'exposition qui se fera le 7 avril, Ramsès ou l'or des pharaons. Ça va être extraordinaire. Et moi, je retrouve des photos de l'Égypte. Égypte que j'aime tant. Et puis, l'autre jour, je suis allé voir une exposition à l'Atelier des Lumières. Alors, l'Atelier des Lumières, c'est une grande salle où l'on vous projette en 3D souvent des œuvres. Cette exposition a été sur Chagall, le peintre. Vraiment très très belle exposition, je vous la recommande vraiment. Et puis au cinéma, je vous recommande également un film qui est très très intéressant et très très bien joué. Très très bien joué, c'est un film qui se nomme « Je verrai toujours vos visages ». C'est l'histoire de gens qui ont été agressés en France
par des voyous et qui se retrouvent confrontés à des agresseurs. C'est très bien joué, très juste, très intéressant. Vraiment. Et puis, bien entendu, visionnage, abonnez-vous à Omerta et voyez évidemment demain soir à 19h, donc dimanche à 19h, l'émission Un dernier verre avec André Bercoff. André Bercoff qui trinque à votre santé et fume un bon cigare également. Sacré Bercoff. Il faut la voir, cette émission. Eh bien, écoutez, j'espère que vous avez aimé cette petite revue de presse. À très bientôt sur ma chaîne. Au revoir. Oui, bonjour à tous. J'aimerais aujourd'hui vous demander de liker, de partager et également de commenter toutes les vidéos.